Salut les belles personnes, bienvenue sur ma chaîne Light and Sass, donc lumière et attitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de friperie, de fashion, de mon mode de vie en général. Donc bienvenue à ceux que c'est la première fois, sinon re-bienvenue aux autres. Comme si le titre ne vous donnait pas assez d'indices, je vais vous parler de bisexualité. Ouais, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, donc que j'aime vraiment beaucoup en parler. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo-là. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions auxquelles que je vais répondre. Il y en a des un petit peu plus personnelles, d'autres un petit peu plus crunchy, mais dans tous les cas, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Puis, qu'est-ce que serait la bisexualité sans une bonne pun, donc un bon jeu de mots? Donc, je vais faire ça en prenant le thé, parce que c'est la bisexualité. Ok, mais dans tous les cas, je m'en vais me préparer mon thé puis je réponds à ça. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, abonnez-vous puis on compte la vidéo! Salut tout le monde, on est le 4 octobre, c'est la journée nationale de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. J'ai hésité beaucoup à faire cette petite intro-là parce que je sais pas si c'est ma place en tant que femme blanche d'en parler, par contre je voulais pas être une personne de plus qui se tait, donc j'ai décidé de le faire quand même. Pour moi ça sert à rien d'avoir une chaîne si je parle pas des choses qui viennent me chercher, qui sont dans mes valeurs, donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît pas, je vous invite à quitter. Lundi le 28 septembre, donc lundi passé, il y a eu le décès tragique de Joyce Echaquan, qui est une femme atikamekw. En fait, on n'a pas beaucoup de détails sur comment ça s'est passé, il y a une enquête qui est en cours, mais on sait que quelques heures avant sa mort, elle s'est filmée en faisant un appel à l'aide, disait qu'elle a eu... qu'elle a été droguée en fait par les gens de l'hôpital qui étaient en danger. Ça s'inscrit dans une vraiment grande lignée de racisme systémique au Québec, puis de colonialisme, et sans compter de misogynie, là, d'après moi. Donc il y a beaucoup plus de violence là, subies par les femmes et les femmes autochtones. Je vais vous lire une partie d'un article de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Une enquête de la GRC a déjà révélé que le taux d'homicide des femmes autochtones est au moins 4 fois supérieur à celui de toutes les autres femmes. De plus, des études révèlent que 75% des filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont déjà été victimes d'agressions sexuelles. Je voulais juste prendre ce moment-là pour... offrir toutes mes sympathies à la famille de Joyce Echaquan, à la communauté atikamekw et la communauté autochtone du Québec. Je peux même pas imaginer la souffrance qu'il y a en ce moment. Je suis allée hier à une marche de commémoration, puis il y a eu des témoignages qui étaient absolument poignants puis magnifiques. C'est tout notre devoir de juste s'éduquer là-dessus comme citoyen et citoyenne, puis de se poser des questions en espérant que ça va ouvrir un dialogue plus grand. Donc, je vais vous mettre dans le bas de la vidéo là, des articles pour aller vous informer. Si vous voulez que j'en parle plus longuement, que je fasse moi-même mes devoirs, prendre le temps que ça soit plus articulé, ça va me faire plaisir. Là, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Donc, on va continuer avec le reste du vidéo maintenant. Tu sais, j'avais tout le temps un petit doute, là, moi, dans mon groupe d'amis, là, on était toutes des filles, puis on trouvait ça bien, bien drôle de faire des blagues de lesbiennes. Moi, j'étais tout le temps un peu mal à l'aise parce que... peut-être que j'étais cette personne queer du groupe. En y repensant, oui, clairement, j'étais cette personne-là. Il y a une autre de mes amies qui avait fait son coming out à ce moment-là. Je sais pas où elle en est en ce moment, mais c'est pas ça le point. Puis, c'est ça, moi, dans le temps, il y avait une fille qui s'appelle qui m'avait écrit « Hey, salut, mes parents sont pas là ce soir, ça te tente-tu qu'on fasse de quoi? » Ouais. Donc moi, je la trouvais vraiment cute. Puis c'est comme le moment que ça a commencé mon questionnement un petit peu. Je me suis rendue chez cette amie-là. Ça a été comme vraiment très platonique. Là, on se donnait des bonbons d'une façon un petit peu cute. Puis je me souviens, très platonique, elle m'a aussi montré sa lingerie. Puis moi, j'étais... pas sa lingerie sur elle, mon dieu, je me serais évanouie. Mais c'est ça, elle m'a montré sa lingerie. Puis le but comme plus important pour moi, c'est quand on est allé se coucher. Et, tellement dans mes émotions, là, on est allé se coucher pis j'étais pas capable. J'étais comme obsédée par l'idée de « Oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui arrive si je la frôle? Elle va savoir que je suis bi, tu sais. » Pis là, moi, c'était ma grosse peur, là. J'étais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui fait que je ressens toutes ces choses-là? » Pis j'avais de la misère à m'endormir. Finalement, il y a eu absolument zéro histoire avec cette fille-là. C'est pas ça le point. Mais le point étant que je pense pas que j'aurais réagi à ce point-là en étant une personne hétéro. Fait que le thé est en train d'être préparé dans cette
adorable théière. Puis c'est le thé ici qui est le épice du Bengale que j'aime vraiment beaucoup. Un peu, environ la moitié d'une cuillère de sucre. Puis un petit peu de lait d'avoine. C'est vraiment une bonne question. Puis je le vis bien en général. En fait, je pense que je suis quand même privilégiée dans le sens que mon milieu est vraiment à l'aise à ce que j'en parle. Au niveau de la famille, ça a été un petit peu plus un défi. J'ai fait mon coming out deux fois, mais je vous en reparlerai si jamais vous voulez que je fasse une vidéo de parler de ça, entre autres. Mais ouais, je pense que je vis ça quand même généralement bien. C'est ça, j'ai des amis vraiment incroyables qui me supportent dans qui que je suis au complet, puis ça fait vraiment du bien. J'ai une belle communauté aussi en ligne où que je peux parler de ces choses-là. Donc généralement, je le vis bien. Des fois, je fais ça, tu sais, je vais être avec mon ex-copine, on prenait l'autobus, puis on s'embrassait, puis j'avais comme une trollée de look qui était vraiment... tandis que si ça avait été des bisous hétérosexuels, je suis sûre que ça aurait été très accepté. Fait que c'est sûr qu'il y a ça, il y a des petits enjeux, puis tu sais, moi, je le répète, là, je suis dans un milieu qui est vraiment privilégié, je sais que c'est absolument pas comme ça pour tout le monde, mais overall, là, en général, je pense que je vis bien ça. Il y a tout le temps cette espèce de petit malaise-là de quand est-ce que tu fais ton coming out, mettons, quand t'arrives dans un milieu de job, est-ce que je suis à l'aise d'en parler? Pas tant. On dirait que ça me brime tout le temps un peu que le monde assume que je sois dans une relation hétérosexuelle quand les personnes qui sont dans des couples... hétérosexuel, donc d'un homme avec une femme, est-ce que ça veut dire qu'on est soudainement plus bi? Absolument pas. Moi, je me considère encore dans ma bisexualité, pansexualité. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Je le vis overall bien. J'ai inclus là-dedans Best Dress, qui est une de mes youtubeuses préférées. Elle n'en parle pas énormément sur sa chaîne, mais elle a eu quelques vidéos où elle parle un petit peu plus de sexualité avec les filles, puis elle a une approche vraiment féministe, militante, engagée. Elle est vraiment comme... J'aime vraiment beaucoup son humour, là. Elle est super sarcastique, puis je sais pas, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait, j'aime vraiment son montage beaucoup. Puis elle a un sens du style là, qui est incroyable, fait que c'est sûr j'allais la mettre dans mon top 3. Je vais aussi mettre les vidéos de tout le monde là, dans ma description. Je vais pas passer à côté de parler de Kate Black, qui est une youtubeuse vraiment militante, qui est vraiment activiste là, dans ses vidéos, qui parle aussi de genre, mais qui parle aussi de racisme, de plein d'autres choses vraiment pertinentes. Puis j'aime vraiment son approche, c'est super authentique, j'aime vraiment... j'aime juste l'écouter, là, je l'écouterais pendant des heures. Fait que je vous conseille d'aller voir qu'est-ce qu'elle fait. Je me rends compte que j'ai vu de parler d'une de mes youtubeuses québécoises préférées qui s'appelle Marie Gagné. Donc elle fait des vidéos vraiment incroyables, super éducatives, pertinentes. Elle est vraiment drôle, elle est vraiment charismatique. Je l'aime full, là. Puis c'est ça, je vous conseille d'aller voir ça. Elle fait des vidéos sur son coming out, fait des vidéos sur sa sexualité, sur plein de choses, des petits défis. Des fois, elle a des invités. J'aime vraiment qu'est-ce qu'elle fait, donc allez voir ça. Je vous le regretterai pas. J'en ai pas beaucoup de littérature queer à vous parler. En fait, j'en ai pas lu quand j'étais jeune. Puis je pense que ça aurait peut-être aidé à ce que je me sente mieux plus tôt dans qui est-ce que je suis, dans mon identité, dans mon orientation. De la littérature que j'ai envie de lire, ça, je peux vous en parler. Gina Harris, I Like Girls. C'est un livre que j'avais trouvé dans une bibliothèque à Halifax. J'étais allée à ma première... fierté gay à Halifax avec une de mes amies. C'est comme le premier moment que j'étais comme « Ah, je veux acheter de la littérature queer! » Est-ce que je l'ai lu? Non, je lis vraiment pas beaucoup. C'est quelque chose que j'essaie de faire un effort. D'ailleurs, mon prochain que j'aimerais ça lire, donc Rainbow Rowell, qui est une personne... qui est une personne non-binaire, de ce que je comprends, de ce que je me souviens. Ça s'appelle Eleanor N. Park. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. Mettez-moi de la pression dans les commentaires, s'il vous plaît, pour que je m'y mette enfin et que je vous en reparle peut-être dans une autre vidéo. Anarchiste, j'ai lu sur son blog Vie de licorne. C'est dans les débuts que j'étais polyamoureuse. C'est aussi une histoire polyame. Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez lire ça, moi, je vous le conseille à tout prix de les lire toutes. Là, je pense qu'il y a comme une 150aine de textes qu'elle écrit. Puis, il y a beaucoup des intrigues là-dedans qui sont des intrigues queer. Donc, je vous en dis pas plus, mais je vous le conseille vraiment d'aller lire ça. Ça s'appelle Ravage. Là, je vous nomme celle-là. C'est une revue féministe qui parle des enjeux LGBTQ. Mais il y en a plein, là. Je vous conseille vraiment d'aller dans tout ce qui est revue, zine. Je vais essayer de faire plus mes recherches. Je vous écris ça dans les commentaires. Vous en parlez dans une autre vidéo. Mais je pense que la littérature peut souvent se trouver de cette façon-là ou, bien sûr, en ligne. Honnêtement, j'ai l'impression d'avoir lu des trucs queer dans ma vie. Est-ce que je m'en souviens en ce moment? Malheureusement, non. Je vais faire mes devoirs, promis.
On m'a demandé si je vis mes relations avec les messieurs et avec les madames différemment. J'ai envie de dire nous, oui. Je pense que mon attirance pour les femmes est vraiment plus large, dans le sens que je trouve pas mal toutes les filles belles. Les gars, je me sens un petit peu plus difficile, je sais pas, c'est dur à expliquer. Dans les débuts, avec les gars, ben je veux dire, ça se passe vraiment plus vite, puis plus, je trouve que c'est plus fluide pour moi. Je pense qu'une raison de ça, c'est que j'ai été habituée à dater des hommes depuis le début que je date des gens. Peut-être plus une aisance. Bon. On s'entend que je suis pas la reine de dater les gars, rien de ça, je suis quand même encore awkward, mais avec les filles, c'est comme un autre niveau, là. Tu sais, les filles à la maison, si jamais vous avez un crush sur moi, ben dites-moi là, parce que je m'en rendrai jamais compte. Je vais faire « Ok, cool, la personne, elle veut vraiment être mon amie. » Même si tu me dis « J'ai un crush sur toi », les années que ça va prendre avant que je fasse un move, on oublie ça. Je pense que ça vient de des années d'essayer de pas rentrer dans un système de proie prédateur. Je pense vraiment que c'est inconscient, là, mais j'ai tout le temps un stress de faire un move, je veux pas envahir la personne. Une fois rendu en relation, moi je le ressens pas tant que ça, là, la différence. Je suis en amour avec une personne, puis je pense que ça se vit de façon très très semblable. Je suis autant affectueuse, autant démonstrative, peut-être en public je suis un petit peu plus gênée, fait qu'il y a ça. Mais dans la relation, puis mon niveau d'à quel point je suis attirée, puis à quel point il y a de l'amour, ben... c'est pareil, là! c'est sûr que mes relations d'une à l'autre, ils vont être différentes. Avec les hommes, des fois, je vais être un petit peu plus... je sais pas, plus avenante, plus fonceuse. Puis dans la relation aussi, des fois, je peux prendre comme beaucoup de place puis être un petit peu plus comme en contrôle. Avec les femmes, c'est une autre histoire. Je suis plus timide et plus tranquille. Quelque chose comme ça. Ouais. On m'a demandé mes artistes préférés LGBTQ, donc c'est vraiment large comme question. On m'a pas dit quel type d'art, donc j'en profite. Mettons pour la musique, là, j'aime vraiment là, les classiques, donc Kehlani, Ellie Kyoko. Juste le fait d'avoir de la musique qui parle de crochet sur des filles, c'est vraiment le fun, là, ça fait du bien. sinon, j'irais avec la personne queer Queen King. King Princess, vous irez voir qu'est-ce qu'elle fait, c'est vraiment de la super de bonne musique, donc j'irai avec ça. Sinon, Tash Sultana, là, ça fait vraiment du bien au cœur d'écouter ça. Puis, je dirais que ça ressemble à ça. Au niveau des artistes visuels, j'ai connu récemment Christina Carles, qui est une artiste de Illinois, qui fait des vraiment belles peintures, vraiment super colorées, un peu abstraites. C'est magnifique là, sur des thématiques. Dans le fond, c'est une personne qui se dit fat, queer, activiste, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir son travail. C'est vraiment mon genre de... d'art en tout cas pour moi, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour le cinéma québécois, je peux pas passer à côté de Chloé Robichaud. Merci pour tout ce qu'elle a fait. Donc surtout moi, j'ai adoré là, la série Féminin. Ça fait tellement du bien d'entendre parler de femmes qui nous ressemblent, qui aiment des femmes. Je trouve que ça fait vraiment un bon modèle, puis de la belle visibilité, puis ça fait du bien. je vais prendre une grande gorgée pour celle-là. Ok, non, c'est vraiment pas super, mais on m'a demandé s'il y avait une différence dans ma sexualité avec les hommes de ma sexualité avec les femmes. Ma sexualité avec les hommes, je l'ai tout le temps considérée comme quand même satisfaisante et fluide. Ceci étant dit, j'ai eu plus de misère à faire respecter mes limites dans des relations avec des hommes. C'était plus instinctif comme relation, dans le sens que pour moi, ça se fait un petit peu plus tout seul, mais j'ai eu plus souvent à établir qu'est-ce que j'avais comme besoin, à communiquer un petit peu plus avec les femmes, mais c'est vraiment plus lent, ça me prend vraiment beaucoup de temps avant d'être confortable. Mais une fois que je suis rendue là, j'ai remarqué qu'il y avait peut-être plus de tendresse. Puis là, je dis vraiment pas là, que c'est comme ça pour toutes les relations avec les femmes puis toutes les personnes bisexuelles le vivent de même. Pantoute. Je dis que pour moi, ma sexualité, elle a comme une espèce d'autre niveau de tendresse puis plus de câlin puis de... Que je la vis avec les hommes, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je me rends compte que probablement que ma sexualité avec les femmes est un petit peu plus, plus nommée, plus dans... Tu sais, on prend le temps de se parler puis d'écouter qu'est-ce que l'autre veut. Tandis qu'avec les hommes, le fait que souvent, pour moi, ça a bien fonctionné, c'est horrible vraiment dit comme ça, mais on dirait que ça fait qu'on pose pas de questions. T'sais, on prend les choses pour acquis. Souvent, ça fonctionne. Des fois, pas tant que ça. Puis, on rectifie le tir. Fait que je dirais que... Mais dans tous les cas, je suis une personne qui communique beaucoup.
Donc, ça ressemble pas mal à ça, comme résumer ma sexualité en comme 2 minutes. Arrêtez de demander aux gens bisexuels si je veux faire des threesomes avec vous! Ça veut pas dire que parce qu'on est attiré par les hommes et les femmes, qu'on est attiré par toi ou la personne avec qui tu veux qu'on ait du sexe qui est comme hypothétique. C'est vraiment tannant. Je veux dire, laissez... En fait, ok, non, je me reprends. T'as le droit à ta sexualité, puis tout le monde a le droit à sa sexualité, puis je veux vraiment pas shamer ça. Mon point étant de automatiquement donner ça à une personne parce qu'elle est bi, je trouve ça vraiment chargé puis vraiment lourd. Faites pas ça. Faites juste pas ça. Merci. Je me rends compte que quand je date des hommes cisettes, là, donc cisgenre hétérosexuel, c'est quand même un défi là, d'en parler. Là. C'est quand même un défi que les gens ont pas des choses qui assument sur moi tout de suite. C'est pas une difficulté dans le sens que c'est... Ben oui pis non, mais tu sais, c'est plate que les gens ils te comprennent pas, puis de toujours avoir à te définir, de toujours avoir à te justifier comme personne. C'est tannant. Est-ce que je trouve ça violent? Ben, comme... Minimalement un peu, ouais, tu sais, mais... C'est ça. Je pense qu'il y a pire. Je sais pas. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je me sens encore très chanceuse de pouvoir en parler puis me sentir relativement en sécurité. Parenthèse, là, j'ai envie de prendre cette direction-là avec ma chaîne, mais si jamais vous avez envie de me parler de peu importe ce que vous vivez, je vais rajouter un email que je vais créer pour ma chaîne justement pour ça, parce que j'ai envie d'interagir avec vous puis que ça soit une discussion. Ça conclut pour cette question-là. C'est ce qui m'a fait mon vidéo question-réponse sur la bisexualité, donc j'espère que ça vous en a appris plus sur moi ou sur la bisexualité en général. Je pense que c'est important de prendre cette place-là, d'avoir le plus de visibilité possible, d'en parler puis d'éventuellement enlever le stigma qu'il y a autour de la bisexualité. Donc ça me fait plaisir de faire plus de vidéos comme ça. Puis si vous avez aimé, partagez, aimez, commentez, abonnez-vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!